Oui, c'était un match vraiment très physique, très engagé depuis le début. On le savait, on avait fait un match de championnat ici, on avait fait 1-1. Donc ils engagent bien le jeu physiquement. Nous, c'est un terrain un peu qui ne nous convient pas trop par rapport au bus et tout. Mais on est vraiment très très fiers de l'équipe. On est invaincu depuis le début de la saison, championnat et coupe, donc on arrive au bout quand même. Effectivement, c'est un match qu'on savait que si on prenait le score très vite à l'avantage, enfin, on prenait très vite l'avantage au score, que eux c'était une équipe qui jouait surtout sur le physique et que nous on a des bons joueurs qui jouent plus au ballon, c'est pas notre qualité première le côté physique. On a su faire la différence et puis ça nous a réussi quoi. Exactement. Alors on pourrait même être champion ce week-end en fait. Si on gagne nos deux matchs, on sera champion quoi qu'il arrive. Et samedi, si on balance, il y a un Mérindonzel, que si un match nul, ça nous suffirait pour être champion ce week-end. Mais en tout cas, on espère vraiment arriver au bout du doublé. Oui. On les connaît. Alors nous, on a joué déjà 3 fois contre eux. En match amical, on a gagné 7-4. On les a battus aussi au championnat. Attends, je te donne le micro. Voilà, par rapport à Mérin, bah, voilà, c'est une équipe qu'on connaît très bien. On les a affrontés, on a pu gagner le dernier match, la dernière confrontation 1-0. Et on espère faire le doublé. Hein. Voilà. On est...